Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 18 mai 2024, 15h18 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment toujours aussi, très appréciés. Pendant des années, des années, le groupe hystérique qui pousse la folie de l'agenda de l'urgence climatique. Depuis Al Gore, avant qu'il se mette à vendre des saucisses artificielles Beyond Meat, parce que c'est lui qui est derrière, derrière Beyond Meat, quand il nous a lancé son fameux film, The Unconvenient Truth, dans lequel, dans lequel euh, documentaire, il nous a fait plein de prédictions apocalyptiques qui ne sont jamais, 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 jamais réalisées. Depuis des années, cette élite-là, ce culte, cette secte nous vend la sécheresse continuelle pour plusieurs États du, des États-Unis, plusieurs pays du monde. Et finalement, on se rend compte que c'est des déluges dans lesquels on se retrouve. Et un des plus belles exemples, c'est Texas, ces derniers jours, où on avait prédit hein, des sécheresses jusqu'à la fin des temps pour le <laughs> Texas. Et finalement, eh bien, imaginez-vous des scènes apocalyptiques suite à des pluies diluviennes, des tempêtes monstres qui ont ravagé l'État hein, du Lone Star et qui a fait quand même beaucoup de victimes et laissant plus d'un million de personnes sans électricité et qui pourraient être sans électricité pour des mois et des mois peut-être. Des tempêtes dévastatrices continuent de ravager le Texas faisant au moins quatre morts et près d'un million d'habitants se retrouvant sans électricité. De violents orages se sont abattus sur Houston jeudi avec des vents atteignant 78 000 par heure provoquant des scènes apocalyptiques dans le sud-est du Texas. Les coupures de courant qui en résulteraient pourraient durer des semaines dans certaines parties de Houston, a prévenu vendredi un responsable après que des vents de force euh, d'ouragan euh, ont ravagé la ville. Des violentes tempêtes ont coupé l'électricité dans près d'un million de foyers et d'entreprises dans la région qui a semé le chaos. Donc la tempête de Houston a fait plusieurs victimes, des bâtiments détruits, des panneaux de courant qui pourraient durer des semaines et des semaines et des semaines. On peut voir ici des images, mais des immeubles. Même de très, très hauts euh, buildings ont été endommagés. On parle de 5 à 7 milliards de dollars de dommages. Euh, complètement, complètement hallucinant. Euh, ce qui s'est passé euh, au Texas. Délits sous alerte rouge alors que les températures extrêmes frappent le nord-ouest de l'Inde, ça commence. On nous amène une fois de plus euh, ces euh, alertes de chaleur en plein été. Une explosion de froid frappe le Chili avec le mois de mai le plus froid depuis 1950 et déclenche des coupures de courant aussi là-bas. Et on a un, un essaim, euh, sismique à Campi Flegrier en Italie, éruption de volcan. Conception qui éjecte des cendres aussi au Nicaragua. Milan frappé par des précipitations les plus abondantes depuis 170 ans, alors que de violentes tempêtes et une tornade frappent le nord de l'Italie. Alerte au volcan Ibu qui est porté au maximum. Et on a aussi le fameux euh, volcan euh, qui continue aussi, je sais, de trouver... Euh, ben C'est Ibu en Indonésie qui continue et continue et continue. Tempête de poussière, on a, on a vu ça au, à Mumbai aussi, qui a fait 14 euh, victimes, et euh, complètement déréglé. C'est ça le changement climatique qui est là, on ne peut pas le nier, mais c'est cyclique, et c'est complètement, complètement euh, effrayant tout ce qui s'en vient euh, pour nous. Donc on voit encore... C Dommages qui ont été causés euh, au Texas, où on, on a des moustiques qui pullulent autour de Houston, et l'avenir, les semaines qui viennent, pourrait en apporter encore plus. Debout dans sa cour, bien entretenue dans cette banlieue de Houston, Mitch euh, Varley s'est arrêté un instant et euh, il s'est giflé le bras droit parce qu'il y avait plein de moustiques sur le bras, de, bras droit, et on sait que ces moustiques-là ont euh, la fâcheuse habitude de transporter beaucoup de maladies. Les pluies torrentielles qui ont frappé une grande partie du Texas au cours des dernières semaines, un autre type d'inondation inonde désormais la région de Houston et c'est les moustiques. Les moustiques. Donc, vraiment, tout un bordel avec des eaux, des, naturellement des eaux stagnantes comme ça. Euh, le Texas complètement, complètement détrempé avec ces tempêtes complètement hallucinantes. Une série d'explosions aussi hein, sur euh, le volcan Semoru en Indonésie, c'est lui que je cherchais. Euh, vraiment hallucinant. Donc, euh, on voit euh, que... Le changement climatique, et ce cycle de changement climatique est bien engendré, mais je peux dire une chose, ça n'a rien à voir avec le CO2. C'est des cycles qui sont euh, millénaires, d'autres qui à tous les 500 ans se produisent, d'autres à tous les 10 000 ans. Et là, on descend, on vient de, il y a eu un léger réchauffement des températures parce qu'on sortait d'une période glaciaire. Mais on s'en retourne probablement, peut-être, selon plusieurs euh, scientifiques, vers une autre période glaciaire. Beaucoup de perturbations. 2024 n'est pas fini. Je peux vous dire une chose attachez vos tuques, même si on est en été.